Bonjour à tous. Alors nous voilà pour une vidéo haul. J'ai fait plusieurs magasins. J'ai fait Cultura, quelques magasins en Belgique, Action bien sûr et Noz. J'ai trouvé quelques petites bricoles à Noz, mais pas grand chose. À Action, j'ai pas trouvé de nouveautés. Enfin peut-être pour moi. Maintenant pour vous, sur, je sais pas. Ensuite, j'ai fait quelques petits magasins et j'ai fait quand même des achats assez utiles. J'ai été aussi à Bureau Vallée chercher 2-3 petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Donc, on commence. Donc, à Cultura, j'ai acheté des sets de tampons. Donc là, c'est pour la fête des pères. Et j'ai trouvé le même style pour les mamans, pour la fête des mères et pour la fête des pères. Et j'ai pas payé extrêmement cher, c'était 4,99€ le set. C'est de la marque Aladdin, donc je vais vous montrer. Voilà, je vais essayer de baisser un tout petit peu la luminosité. Et celui-ci, donc 4,95€. Et j'ai acheté aussi de la pâte, comment ils disent ça, Olumaru. C'est de la pâte de moulage pour faire des moules. Donc, c'est à tester. Et ça, j'ai quand même payé assez cher. Il y en a 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ah non, 12 pains. Il y a 12 pièces. J'ai payé ça 10,99€. Mais bon, comme je voulais faire des petites emporte-pièces moi-même, et je voulais pas acheter la pâte qu'on mélange, machin. Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté à Cultura. J'ai pas acheté grand chose, mais je devais faire la vidéo pour vous. Ensuite, dans un petit magasin en Belgique, j'ai acheté ceci. C'est en fait des petits pompons comme ceci. J'ai payé 2€. C'était en promotion. Ils sont... Je vais vous montrer. Je vais me dépêcher parce que j'ai que 32 minutes pour filmer. Oui, je l'ai ouvert à l'envers. J'avais pré-ouvert, mais à mon avis, je ne l'ai pas... Voilà. En fait, c'est des... godet comme ça que on vient coller et on enlève le plastique et à la fin ça vous fait ceci. Donc je me suis dit pourquoi pas des cartes ou quoi, ça peut faire mignon. Donc il y en avait un, donc j'ai pris ceci. Voilà, c'est pour faire des pompons. Il y a longtemps que c'était sorti, mais bon, pour le prix. Et il y a 7 couleurs de pompons, bon bref. Donc voilà. Hop. Je vais mettre ça derrière moi. Ensuite, j'ai été à Extra, c'est un magasin toujours en Belgique. J'ai acheté ceci. C'est un clavier, un pavé numérique USB. Vu que moi j'ai un clavier Bluetooth, des fois avec les chiffres c'est galère pour faire mes calculs. Donc j'ai pris ceci. Et ça, j'ai pas payé cher. J'ai payé 3,49€. Ouais. Hop. On met sur le côté aussi. Ensuite, j'étais à Boulanger. Je me suis pris une coque pour mon téléphone avec des vitres. Bon. Chose à part. Voilà. Donc ça, je vais mettre là. Ah, Bureau Vallée, j'ai... Hop, ça je mets là. Et ça va tomber. On va mettre au-dessus de ma poubelle. Voilà. Ah, Bureau Vallée, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris que 4 choses. Donc, j'ai pris du papier pollen. C'est des bases de cartes papier pollen. Il y en a 25 dedans et j'ai payé 2€. Donc, dans les tons marron. Et j'ai pris le même style dans les tons rose. Donc c'est du 210 grammes.
Donc 2 euros. Et ensuite, j'ai pris du papier Clairefontaine. C'est du 160 grammes. Il y en a 50. Et ça, j'ai pas payé cher. J'ai payé 5 euros. 5 euros quelque chose. Mais j'ai plus le ticket de caisse et comme c'était pas noté. Donc là, j'ai pris le bleu pastel. Et j'ai pris le bleu turquoise. Donc voilà. Oups. Je range un petit peu en même temps parce que mon bureau y est plein. Ensuite, action, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris le ciseau pour la couture. Donc, pour spécial tissu, parce que bon, j'ai mes ciseaux, mais c'est vrai que un bon ciseau pour la couture, ça fait pas de mal. Et j'ai payé ça 1,99€. Ensuite, j'ai repris un petit album car j'ai envie de changer encore une fois ma disposition de mes rangements d'ail qui me plaisent plus car je ne me retrouve pas et tous mes onglets s'en vont. Bref, donc je vais essayer de voir pour faire un meilleur rangement. Donc, bon, et là, comme c'était sur le thème de la mer, ça m'a arrangé. Au pire, je m'en servirai pour mes photos à moi. Et j'ai payé ça 95 centimes. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris du fil. Du fil, normalement, c'est à broder. J'ai pris du rose. Il manque une couleur, c'est tout. Mais bon, ça, c'est pas grave. Le noir, blanc, gris. Là, dans les tons violets. Les tons bleus. Là, les tons orangés, marron. Et il manque la couleur verte. Ouais, je la trouverai, hein, la couleur verte. Et là, je vous ferai sûrement un tuto pour vous montrer ce que je vais faire avec. Vous verrez, c'est vraiment facile. Ensuite, il y a un moment, mes parents, ils ont été. Et je leur avais demandé de me prendre de la pâte structurante. Donc ils m'ont ramené ma pâte structurante. C'est pas cher. Enfin, c'est pas de la pâte structurante, c'est du glanduit, mais on peut l'utiliser en pâte structurante. Donc je vais la tester parce que moi habituellement je la fais moi-même et elle va aussi bien, mais comme j'avais envie de tester autre chose et elle fonctionne toujours et ça fait presque 2 ans que j'en ai fait, donc ça elle conserve très bien, mais moi je la mets dans 2 boîtes. Comme ça, elle est vraiment hermétique. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Oui, je ne vous ai pas dit les fils. C'était fil à broder. 72 centimes pièce. Et ensuite, j'ai pris de la twin dans les tons bleus. Dans les tons gris. Vert et rose. Il y avait argent doré. Et bon, ça, du doré, on en a quasi tout le temps. Et ça, j'ai pas payé cher. J'ai payé 56 centimes. Donc, ça va. Voilà pour ce qui est de l'action. Ensuite, j'ai été dans un magasin pour chercher des croquettes pour mon chien. Bon, bref, je rentre pas dans les détails. Et ils vendaient une machine comme ceci. La brode. Brodara, c'est une machine pour faire des nœuds et franchement des magnifiques nœuds. Donc je vais la tester et je vous ferai une revue dessus. J'ai pas payé cher, j'ai payé ça 9,90€.
Donc, franchement, et à voir, c'est assez facile. Voilà. Ensuite. Ah, mon petit magasin. Enfin, mon petit magasin. Mon magasin que je vais en ce moment. Je vais faire attention de ne pas me cramer les pattes. Ça, je bouge et je vais mettre ça. Quand je dis pas me cramer, c'est parce que j'ai une bougie juste à côté de moi. Donc, et qu'elle est bien sûr allumée. Donc, mon petit magasin de papeterie, toujours en Belgique. Il y avait pas mal de petites soldes. Et j'ai trouvé des choses que j'ai jamais utilisées. Donc, franchement, ça sera vraiment un test. Donc, tout d'abord, j'ai tout mis dedans. Ah oui. Tout d'abord, j'ai acheté, et je vous donnerai les prix en même temps, un washi tape. Donc normalement, il était à 2,30 €. Et moi, j'ai payé 1,15 €. Et c'est, je vais peut-être vous montrer quand même lequel. Et franchement, il est vraiment magnifique. Si j'arrive à le sortir, c'est bien aussi. C'est sur le thème de Paris. Il est vraiment magnifique. Donc, et c'est la fourmi, la marque. Il y a 10 mètres et c'est du 15 mm. Donc, moins 50%, ça valait le coup. Bon, il y avait des articles normalement qui étaient à moins 30, moins 40. Elle m'a tout mis à moins 50. Donc, j'étais super contente. Bah, vu que j'y vais quand même assez souvent. Bon. Ça, je vais vous montrer après. Ensuite, j'ai pris... c'est du vernis pour métal en feuille. C'est le foil en... pour utiliser le foil volant. Donc là, bah, c'est du Fimo, d'accord. Mais je vais l'essayer sur du... du papier, pourquoi pas, sachant que il doit sécher à la normale mais pas au four. Donc voilà, donc il était à, normalement à 5,40 € et moi j'ai payé 2,70 €. Donc ça vaut quand même le coup. Ensuite, j'ai pris, il y avait ceci, et là, normalement, ça, c'était moins 50, peut-être, bon, bref, on s'en fout. Ils vendaient des petites chenilles, donc j'en ai pris, j'ai pris les trois couleurs qu'il y avait. Anos, ils en avaient, mais j'étais pas motivée pour en prendre, et là, quand je les ai vues, ça peut compléter mes achats que j'ai fait chez Noz un peu pour les couleurs. Donc 1,25 € moins 50%. Pour les trois, j'ai payé 1,89 €. Donc voilà. Et il y en a quand même pas mal. Il y a 10 chenilles. Donc pour les trois, 1,89 €, sachant qu'un paquet c'est 1,25 €. Voilà. Et c'était moins 50%. Ensuite, oh, j'ai pris un. Ah. Un crayon pour embosser. Transparent. Pareil, moins 50%. Il était normalement à 3,35 €. Moi, je l'ai payé 1,68 €. Donc, voilà. Ensuite, bon, là, c'était pas en solde. C'est des pochettes plastiques pour faire les cartes de visite. Il y avait plein de tailles. Et franchement, il y en a 100 pour mettre à la plastifieuse. Pour plastifier mes cartes de visite.
Et j'ai pas vraiment pas payé cher, j'ai payé 1,95 € pour le paquet. Donc c'est comme une pochette grand format, sauf que là c'est petit format. Vous mettez votre carte de visite. Là j'en ai pas sous la main. Ah si, j'en ai une. Hop. Espérons que ça passe. Ah, ils sont trop grands, petites. Oh, ça ira. Donc bah vous mettez votre carte de visite dedans. Et voilà. C'est tout bon. Et au pire, vous pouvez même mettre faire des ah, je sais pas si les si ça marche. Pourquoi pas faire les ATC. Je sais pas c'est quelle taille. Il y avait une autre taille, mais j'ai dit, eh ben non, celle-là, ça ira. Là, c'est 54 × 86 mm. Donc, bah, moi, je vais m'en servir. J'ai pris deux paquets car j'ai quelques idées pour faire des petites créations. Voilà. Ça, je remets. J'essaye de me dépêcher et il y a ça qui m'embête avec mes cartes là. Voilà, hop, on met ça pour bloquer. Donc voilà, aïe, mon bras. Ensuite il y avait franchement, même la pochette j'adorais, c'est toujours de la marque Artemio là, des feuilles de timbre autocollant. Bien sûr, c'est pour faire sur des créations. Donc, on a 6 planches. Et normalement, c'est 4,95 moins 50%. J'en ai pris 2. Donc, bah, j'en ai eu un gratuit. Et même la pochette, regardez-moi la pochette. Elle est super jolie. Même pour fermer, franchement, j'adore. J'ai adoré. Donc, bah, j'ai pas cherché. Il y en avait 2. J'ai pris les 2. Et même les thèmes, ils sont quand même assez mignons. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais voilà. Et ensuite, j'ai pris un cutter. Parce que, ben, j'ai, comme tout le monde, on a des cutters. À la fin, ils ne coupent plus. Faut toujours casser, et moi comme j'ai vraiment, je ne sais pas le couper casser droit, et ça m'agace. Et là c'était un cutter en lame céramique, donc franchement je me suis dit, alors là faut le prendre. Il n'était pas excessif, le petit cutter, il était à 5,95 €. Donc pour une céramique, franchement ça va être le top. Je vais le tester et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Ensuite, le délit de mon passage là-bas, c'est que ils avaient, bien sûr, le heat gun de la marque Artemio. Vous savez ma passion pour cette marque. Je l'adore. Donc... et c'était vraiment un kit complet. Donc, il y a le petit tampon, il y a la poudre. Et il y a le gun. Moi, j'ai celui de Action. Il va correctement. Sauf que, bon, à mon avis, il fait beaucoup de... Il fait quand même, dans tous les cas, du bruit. Et là, normalement, il était à moins 40%. Elle me l'a fait à moins 50%. Donc, je l'ai eu pour 12,43 € au lieu de 24,85 €. Donc, bah, j'étais super contente. Voilà. Donc voilà mon délit. Et il l'avait en rouge, mais là il était tout seul. Et moi j'ai préféré le prendre en noir. Et là vous avez un tampon, vous avez un mini pad pour embosser. Donc ça, pour prendre partout, ça vaut le coup. Voilà. Donc ça. Et j'ai trouvé en dernier, que je n'ai jamais testé, c'est de la résine à froid. Et on a, j'ai un set de pigments gratuit. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se sert. C'est de la marque La Fourmi, comme mon ruban.
Donc, il était à 15,55. Là, c'était à moins 30, je pense. Et je l'ai eu à 7 euros. 7,78 €. Donc, bon. Il y a 50 millilitres dans chaque flacon. Voilà. Et on a quand même des pigments. Donc, on a du doré, du noir, du blanc, du bleu, du jaune. Et c'est de la poudre. Donc, on peut... Enfin, je pense que c'est de la poudre. Ah non, c'est de la résine. Donc, je ferai un test. Et à mon avis, on va sûrement le tester ensemble. Mais là, il faudra bien que je lise quand même toute la notice. Voilà. Voilà l'objet de mon délice. Et ensuite, nose. On va passer à nose. Donc, je remets tous mes petits bibibouis dans le bac. Et je vous montre ce que j'ai acheté à nose. Donc, à nose. Ouf, je dois baisser. Ils ont sorti des masques à customiser. Donc, franchement, 50 centimes. Je vais sûrement en faire un. Enfin, j'ai prévu d'en faire un. Donc, c'est du carton bois. Franchement, c'est de la marque MP. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme marque. Je ne connais pas. Mais bon, 50 centimes. Pour faire un masque pour le carnaval. Ok, c'est pour l'année prochaine, mais bon, je suis à l'avance. Ensuite, il y avait des feuilles de mousse. Il y en avait des toutes petites, des moyennes, des très 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 grandes. Je me rhabille en même temps, hein, désolée. Et des vertes avec des paillettes. Et là, c'est format A4. J'ai payé ça 1,79 €. Il y a 10 feuilles. Il mesure 29 sur 20 cm. Bon, c'est un petit peu moins qu'un 4, 21, 29, 7 normalement. Mais pour faire des fleurs ou quoi, ça peut marcher. Donc là, c'est rose très pastel. J'ai trouvé. Alors là, c'est le chou. Je ne sais même pas si à la caméra, vous allez le voir. C'est très, 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 très grand. Les feuilles mesurent... Je ne sais même pas... vous dire la taille. J'ai payé ça 2,50 €. Il y a, excusez-moi du bruit, mais j'essaie de lire en même temps. Donc là, c'est du violet. Il y a 10 feuilles. C'est du 2 mm. Là, c'est la référence 009. Ça doit être du 50. Ouais, c'est 50 sur 65 cm. Donc, c'est extrêmement grand. Donc, là, il y a du violet. Il y avait trois couleurs. Il y a du... du très pastel, du couleur pêche et du rose fuchsia. Je pense que c'est ça la couleur. Ouais, c'est rose fuchsia. Oui, rose. Ils disent que c'est rose. L'autre, ils disent que c'est. Ouais. Donc 2,50 € pour 10 feuilles format extra large, 50 sur 65 cm. Franchement, ça vaut le coup. Donc j'ai pris ces trois paquets. Il y en avait encore des verts, violets et des couleurs très claires. Ensuite, un truc qui passe crap, mais qui était beau aussi. J'ai pris une petite peluche dans les tons bleus.
Elle n'était pas excessive, elle était à 1,50€. Mais franchement, elle est tellement choupinou que ben, en fait, elle m'a suivi dans tout le magasin. Et ben, j'ai pas pu la lâcher. Donc, ben, ça sera la petite mascotte, à mon avis, de la chaîne. Elle est très mignonne. Et comme j'adore le bleu, voilà. Bon, on va la laisser là. Hein. Elle va nous tenir compagnie. Voilà. Ensuite, si vous avez des noms, vous pouvez donner des petites idées. Je suis preneuse. J'ai trouvé des petits nœuds. Ok, je peux les faire moi-même. Mais bon, pour 79 centimes. Donc là, j'ai pris dans les tons bleu. Bleu. Et là, bleu foncé. Donc, franchement, il y en avait. Bon, il n'y avait pas grand-chose en scrap, mais il y avait quand même pas mal. Ensuite, j'ai pris de la peinture bleu turquoise. Turquoise vert, ils disent. Donc, j'ai payé ça 1,99€. Oui. Ah, là, c'est bleu. Là, vous voyez que vous, c'est bleu nuit. Mais je vous dis bien que c'est bleu turquoise. Franchement, elle est magnifique, la couleur. Il y avait plusieurs autres couleurs, mais je me suis dit, on va déjà tester celle-ci. Il y a 250 ml. Donc, il y a de quoi faire. Et au pire, si ça, elle me plaise, les couleurs, j'irai chercher les autres. Ensuite, j'ai pris des petites perles comme ceci, en forme de petites fleurs. Donc, j'ai payé ça 45 centimes. Donc, j'en ai pris deux. Pour mettre sur des cartes ou quoi. Ça roule. Et ensuite, là, j'ai pris vraiment pas mal de fleurs. Ils vendaient des perles. Mais des jolies perles. Je te mets là. Au moins, je peux montrer. Donc, ben. Allez, je te mets là. Des bleus turquoise. Mais franchement, elles sont magnifiques. Là, vous voyez que c'est un bleu foncé. Mais là, il y a quand même une différence de couleur. Et ça, c'était quand même 45 centimes. Donc, c'était vraiment pas cher. Donc, j'ai pris deux bleus comme ça. Et il y a des paquets qui en a le plus et il y en a qui en a le moins. Oh, c'est bizarre. Là, j'aurais vu. Ah, il y a différentes tailles. Ah, bah non, c'est la même taille. Non, c'est différentes tailles. Là, ils sont plus petites que ceux-là. Ah, j'avais pas vu. Bon. Bon, bah, celles-ci sont plus grosses. Bah, ils disent que c'est pourtant la même. Bon, bref. Je vais me dépêcher parce qu'il reste plus énormément de temps. Donc, des bleus. Là, c'est les mêmes couleurs. Des bleus comme ça. Là, j'ai pris des rouges. Là, des violettes. Des oranges. Des roses. Des violettes, mais un petit peu plus claires que ceux-là. Et bien sûr, des verts. Mais vous voyez, c'est quand même une taille différente. J'avais pas vu. Comme ça, au moins, il y a plusieurs tailles dedans. Donc, voilà mon petit craquage du jour. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il va y avoir plusieurs vidéos haul qui vont suivre. Car je dois recevoir des courriers d'internet. Des marchandises que j'ai commandées. Là, j'en ai déjà reçu deux, mais il m'en reste encore trois à recevoir. Donc, je ferai, à mon avis, en plusieurs fois. Donc, ben, vous verrez. Et je vais essayer de faire les créations avant, comme ça, je peux vous montrer comment ça ressemble. Je vais essayer, vu que j'ai pas beaucoup de temps, on va dire. Donc, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et petit aparté, si vous avez un petit nom pour ce petit ours bleu, vous pouvez. Ça sera peut-être la mascotte de la vidéo, de la chaîne. Je mettrai en fond d'écran, à mon avis. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à bientôt. Au revoir!